Folklore en déliquescence depuis quelques années à Pointe-Noire, le Kintwini refait surface grâce à l'orchestre Lichula original qui vient d'être créé par la petite communauté Yombe du marché de la foire. Pour le moment, on a une expérience d'une année. Bon, on a des jeunes talentueux. C'est les moyens qui nous manquent. Mais avec nos petits moyens, on peut faire de bonnes choses. Mais comme il n'y a pas de soutien, nous-mêmes on se débrouille petit à petit. Si Dieu le veut un jour, on peut faire de bonnes choses. Par rapport, nous les Bantous, on respecte les musiques traditionnelles. Je sais que les gens négligent, mais nous on a choisi ces musiques. On va se débrouiller de les faire, même si on n'a pas de moyens. Nous, c'est ça qu'on a aimé pour faire, c'est ça qu'on va faire. Trois guitares, solo, mi-solo et accompagnement soutiennent le chant avec l'appui d'une contrebasse jouée à deux et le tout forme une très belle combinaison des sons agréables à l'oreille. Ce jeune orchestre Lichula original, constitué des garçons courageux et débrouillards, a besoin du soutien de tous pour réaliser son rêve afin que le Kintwini renaisse dans la ville de Pointe-Noire.